Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Tine de Space News. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 juin 2024. Il est 17h et j'ouvre la 22e visioconférence de la série Les Galactiques 2024. Je rappelle que quelles que soient les informations que je présente, elles sont strictement et exclusivement de sources extraterrestres. Elles me sont transmises noir sur blanc, en direct, en live, à l'écrit et en audio par mon principal contact extraterrestre Zen depuis le début de l'année 2016, c'est-à-dire il y a 8 ans. Et je les ai toutes enregistrées, ou quasiment toutes. La présentation d'aujourd'hui est un extrait de nombreuses conversations que j'ai eues avec Zen et d'autres contacts et que j'ai révélées au public dans mon livre « Premier contact », articles 19 et 20. Je les ai présentés sous forme de tableur qui donne l'année des traités, les gouvernements concernés, quelle lignée extraterrestre est entrée en contact et le contenu des traités. Je vous encourage donc à lire ces passages très importants qui sont de sources extraterrestres. Cette conférence reprend certains des éléments publiés dans mon livre, mais j'en ai rajouté d'autres que j'ai reçus depuis et qui n'y sont pas. Il y a eu de très nombreuses tentatives de contact et de rencontres depuis les années 1900 et bien avant, mais celles qui sont les plus connues sont celles qui prirent place aux USA en février 1954. Deux fois deux rencontres qui eurent lieu d'une part avec une délégation de ce qu'on appelle les Nordiques, c'est-à-dire essentiellement des Pléiadiens, représentants de la Fédération Galactique, et d'autre part vers la fin du mois de février 1954 avec une délégation originaire de Zeta Reticuli, des Petits Gris, envoyée en éclaireur, suivie d'un collectif d'Orion, les reptiliens Maitreyi, les grands maîtres, les grands gris, et dans les mois et années à venir, les Malakaks, les grands blancs et les Mantis, une lignée extraterrestre de type insectoïde. Plusieurs chefs d'État ont rencontré des délégations extraterrestres ou les ont accueillis dans leurs bases militaires, dans des groupes de travail, au sein de leur gouvernement ou de leurs équipes de recherche. Les deux rencontres dont je parle, les plus importantes en 1954, sont celles qui ont eu lieu entre le président Eisenhower et plusieurs races d'extraterrestres qui sont souvent confondues l'une avec l'autre et présentées comme s'il s'agissait d'une seule et même rencontre. Il n'en est rien. Il s'agit en réalité de 4 atterrissages extraterrestres et 4 rencontres au minimum avec les gouvernements, notamment le gouvernement américain. Ces rencontres sont quelquefois aussi confondues avec celles du projet américain intitulé Sigma. Les rencontres dont je vais vous parler ont été enregistrées et sont accessibles sur le site officiel et public des archives gouvernementales des USA que vous pouvez consulter en ligne. Parlons d'abord du projet Sigma. Ce projet a été lancé à l'origine en 1954 aux USA. Il faisait partie d'un autre projet et il est devenu distinct en 1976. Sa mission était d'entrer en communication avec des extraterrestres et c'était une opération conjointe de la NSA et de la CIA. Le but de cette opération, menée sous la supervision immédiate du président Eisenhower, était d'établir un partenariat productif entre les êtres humains et les extraterrestres. Des scientifiques attachés au projet ont repéré un groupe suspect d'astéroïdes qui semblait se déplacer de manière uniforme, toutes ensemble,
et à l'aide d'un équipement de télécommunication, récupérés dans un crash d'OVNI sur Terre, ils ont sollicité une rencontre. Une réponse a été donnée par la race extraterrestre connue sous le nom de Grand Gris, qui a accepté d'atterrir sur Terre et de rencontrer des représentants des gouvernements. Cette communication entre eux, les membres de la NSA et de la CIA, a été captée par ce qu'ils ont appelé des bleus. Donc les seules lignées extraterrestres qui ont la peau bleue sont les Andromédiens, donc je suppose que les communications ont été captées par les Andromédiens, ou tout au moins les Andromédiens qui font partie de la Fédération Galactique, et ils ont conseillé de ne pas entamer de négociations avec les Grands Gris, affirmant qu'il s'agissait d'une race d'extraterrestres centrée sur eux-mêmes et qui n'agissait que pour leur propre lignée. Les Bleus ont fait leur propre offre, affirmant qu'ils aideraient l'humanité dans son développement spirituel en échange de la destruction de l'arsenal nucléaire de la Terre, tout comme vous allez l'entendre aussi de la part des Pléiadiens qui ont eux-mêmes pris contact avec Eisenhower. Les Andromédiens ont déclaré que l'humanité n'avait pas encore prouvé qu'elle était capable d'exercer une maîtrise de soi suffisamment profonde, et pour la même raison ont indiqué qu'ils ne fourniraient pas de technologie extraterrestre aux êtres humains. Les Bleus, donc les Andromédiens, ont également formulé diverses critiques à l'encontre de l'humanité, soulignant les guerres, la pollution et le gaspillage endémique des ressources naturelles. Le gouvernement américain a rejeté l'offre et les critiques des Bleus, pensant que leur demande de démantèlement de l'arsenal nucléaire pouvait être un stratagème pour laisser la Terre sans défense face à une attaque extraterrestre. Il est à noter que le premier contact d'Alex Collier avec l'Andromédien Morané a également pris place en 1964. Et 53 ans plus tard, en 2017, Morané s'est proposé pour devenir mon principal contact andromédien. Malgré les avertissements qui ont été donnés par les Andromédiens, le gouvernement américain a décidé de rencontrer les Grands Gris. Ces derniers ont informé les représentants du gouvernement américain qu'il serait heureux de leur donner des technologies extraterrestres avancées, notamment, écoutez bien, des armes et des instruments de contrôle mental, pour autant que certaines conditions soient remplies. Les Grands Gris ont affirmé que leur ADN souffrait de dégradation et qu'ils voulaient utiliser le génome humain pour stabiliser leurs propres gènes et assurer la pérennité de leur espèce. Ils ont demandé la permission d'enlever des êtres humains et d'effectuer des recherches génétiques en assurant au gouvernement que leurs sujets leur seraient restitués indemnes sans aucun souvenir de ce qui leur était arrivé. Les extraterrestres ont également exigé que le gouvernement américain ne révèle pas leur présence sur Terre et n'interfère pas avec leurs activités. Ils ont également demandé que les USA construisent plusieurs bases souterraines à usage exclusif des Grands Gris. Si l'accord a été accepté avec enthousiasme à l'époque, les autorités américaines ont rapidement compris qu'elles étaient dépassées. Depuis les années 1960, il a été prouvé que les extraterrestres dépassent largement leur quota d'humains enlevés et qu'ils ne respectent pas leur engagement de ramener leurs sujets sains et saufs. Comme on le voit dans de très nombreux rapports de personnes qui ont été enlevées, abductées par des extraterrestres, qui se sont retrouvées habillées d'une manière différente, dans un endroit différent de l'endroit où ils avaient été enlevés,
et avec des souvenirs précis de ce qu'ils avaient dû endurer. Reprenons donc ce tableur que j'ai créé. Évidemment, tous mes tableurs ont été créés avec Zen et que j'ai proposé dans mon livre Premier Contact. Je l'ai un peu modifié parce que j'ai eu d'autres informations. Donc, celles que je vous fais passer actuellement sont plus récentes. La base demeure vraiment très précise et exacte. Le premier traité qui n'a pas abouti a été tenté, donc une tentative de contact, 1930 les USA, en 1930 la France et en 1937 la Russie. Ces contacts ont été tentés par les Pléiadiens, des Arcturiens ou des États réticuli. Puis il y eut d'autres contacts avec l'Allemagne en 1935 et 1936 par la lignée d'Orion et des Draco reptiliens. Les premiers traités qui ont été signés le furent avec Hitler entre les nazis et les reptiliens. En 1936, il y eut un crash d'un ovni avec un survivant à bord que Hitler a rencontré en personne. Ce traité a expiré. Il y eut ensuite des traités en 1947 et 1948 aux USA par les États réticuli qui sont envoyés en éclaireur pour le compte des Draco reptiliens. L'accord s'appelait le projet Préserve Destinée. Donc il y eut un contact pendant ces années et une installation des grands gris mis en place dans une base souterraine aux USA. Le projet s'appelait Projet Préservation Destinée, qui ne va devenir effectif qu'en 1960 et 1968. Ce traité a expiré. En 1952, aux USA encore une fois, il y eut une tentative de contact par la Fédération Galactique sur une base militaire avec le président Roosevelt, où il y eut d'abord en pré-contact le piratage par la Fédération Galactique de la radio du Patagone pour montrer ce dont ils étaient capables et encourager le président et les USA et les militaires à prendre contact avec eux. Cette pré-prise de contact n'a pas non plus abouti. En 1953, aux USA, encore une tentative de contact non aboutie par les Humites et d'autres peuples sous le président Eisenhower. Il y eut plusieurs contacts dans trois bases distinctes de l'USAF, c'est-à-dire l'Air Force américaine, avec trois groupes militaires différents. Ce contact n'a pas non plus abouti. Il y eut ensuite, numéro 6, hein, le traité numéro 6, deux rencontres, des propositions qui furent rejetées. Ces deux rencontres ont eu lieu effectivement en personne en 1954, le 18 février, puis une seconde visite dans la nuit du 20 au 21 février par la Fédération Galactique de nouveau, en la personne des Pléiadiens et notamment l'amiral Rachel de Temer. Il y eut des pourparlers sur la base d'Edwards Air Force. Deux rencontres successives. L'offre d'assistance extraterrestre fut refusée parce qu'en respectant les lois galactiques, aucune technologie ne fut proposée. Le désarmement nucléaire n'était pas considéré comme étant dans le meilleur intérêt des États-Unis. Plusieurs rencontres avec un traité qui a expiré le 21 décembre 2012, mais qui a été mis en place en 1954 entre les USA, le collectif des Grands Gris, dont parlaient les Andromédiens, duquel ils disaient que les USA ne devraient surtout pas accepter ce traité. Mais, et le président Eisenhower a accepté cette offre plutôt que d'accepter les offres des Andromédiens et des Pléiadiens. C'est arrivé
en 1954. Le huitième traité, en 1954 aussi, a été tenté avec la Russie, et la Russie a accepté. C'était sous le président Vorotchilov. Avec les Malakaks, c'est-à-dire les Grands Blancs, albinos, qui ont signé un traité par les prédécesseurs de l'URSS et qui, ce traité, a été révoqué en totalité par le président Vladimir Poutine dès sa prise de fonction. Neuvièmement, un accord de base avec les Grands Gris, comme je l'ai dit, a eu lieu en 1954, mais il a été brisé en 1964 sur l'insistance d'Israël et du Vatican lorsqu'un contingent d'Orient a atterri au Vatican avec des preuves d'antécédence. Un nouvel accord, donc, sur les bases du traité qui avait déjà été conclu en 1954, en 1966, comprenait une feuille de route de 120 ans, impliquant les deux peuples, c'est-à-dire jusqu'en 2074. À partir de 2014, c'est-à-dire à peu près quand j'ai moi-même été contacté de manière directe, les extraterrestres ont décidé d'abaisser leur seuil de furtivité pour que le public les aperçoive. Ils souhaitent voir et constater si le traité de 120 ans conclu avec le complexe militaire occidental tient ses engagements, ce qui est considéré comme crucial pour valider la bonne volonté de notre planète vis-à-vis des lignées extraterrestres. De 1954 à 1964, il y eut d'autres contacts avec l'ONU et le Vatican de la part des Zumites et des Pléiadiens de 57 à 60, donc c'est inclus dans la période que je viens de citer, mais ces contacts ont été pris entre 53 et 64 par les Zumites et les principaux pays de l'ONU. Les Zumites et d'autres peuples extraterrestres qui partagent les mêmes valeurs éthiques, ont présenté leur position et une suite d'avertissements furent donnés aux représentants des principaux pays de l'ONU ainsi qu'au Vatican, qui est observateur permanent. 1946, 1955, 1958. Traité numéro 10. Ce fut le début du désarmement nucléaire. L'ONU appelle à l'élimination des armes nucléaires. Ensuite, une série de traités, ceux entre Eisenhower et les Grands Gris, furent renouvelés en 1958 sous Eisenhower, 1967 sous Lyndon Johnson, 1976 sous Jimmy Carter, 1985 sous Ronald Reagan, 1994 Bill Clinton et 2005 George Bush avec la lignée d'Orion. Ce traité s'appelait TAU 9, TAU 9. Ce traité, avec toutes ces dates que j'ai données, a été renouvelé tous les 9 ans. Et il s'est achevé en 2005. Puis vient le projet Sigma dont j'ai parlé, le premier contact en 59, puis en 64. Après des tentatives de contact avec des extraterrestres, un officier du renseignement de l'USAF, c'est-à-dire la Force aérienne des États-Unis, a rencontré deux extraterrestres dans un endroit préprogrammé dans le désert du Nouveau-Mexique. Le contact a duré environ 3 heures. L'officier de l'Air Force a réussi à échanger des informations de base avec les extraterrestres et à en recevoir. Ce projet se poursuit de nos jours dans une base aérienne du Nouveau-Mexique qui pourrait être la base aérienne de Kirkland, près d'Albuquerque, où il y a une base souterraine de petits gris, les Pontees, ou alors la base de Walker près de Roswell.
13e traité en 1966 avec la Russie et le collectif d'Orion. Donc ça, c'était sous le président Podgorny, qui a repris le traité qui avait été signé par son prédécesseur et qui a été complètement révoqué par le président Poutine le 31 décembre 1999, dès sa prise de fonction. C'est la première chose qu'il a faite. Traité numéro 14 en 1971. Un traité des USA avec le collectif de la Fédération Galactique. Ce traité de 1971 a expiré fin août 2021. Vous voyez, ça n'est pas si vieux que ça. Ces accords s'appellent les accords du désert, qui avaient été aussi pris en 1954. Et donc, l'une des clauses de ce traité, qui a duré jusqu'à 2021, était la non-révélation de la présence extraterrestre et l'interdiction de fournir des technologies et des photos vidéo aux populations terrestres. C'est pour ça que vous ne voyez jamais ou très peu de photos d'extraterrestres, de vraies photos d'extraterrestres. C'est à cause de ce traité qui a duré jusqu'en 2021, c'est-à-dire il y a 3 ans. Il y eut ensuite, vous voyez, beaucoup de traités et beaucoup de contacts sous Gorbatchev en Russie en 1989. Des propositions en 32 points et en 2 phases. Les obligations exécutées de libérer les peuples opprimés. L'accord souligné par l'anagramme du Conseil général de Humo sous l'engin aperçu à Voronejnev le 27 septembre 1989. Et donc là, c'était un contact par les humites. De nouveau, l'ONU et toutes les tentatives de contact qui vont être prises à partir de l'année 1989 vont l'être par les humites au travers de l'ONU. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus essayer de contacter les gouvernements directement, ils vont tout simplement essayer de contacter l'ONU. En 89, donc, les humites, qui a rencontré le président de l'ONU, Javier Pérez de Cuellar. La demande des humites était la non-prolifération des armes nucléaires. En 90, le 14 avril, de nouveau un contact avec l'ONU par les humites, réunion avec Gorbatchev, Bush à Essen en Allemagne. Et puis, en 1991, de nouveau avec l'ONU et les humites, une nouvelle rencontre à Genève concernant l'Irak. Donc c'est toute la liste que vous pouvez retrouver en détail dans mon livre et que vous pouvez relire tranquillement, même s'il y a des informations qui ne sont pas précisées et que je viens de vous donner. Maintenant, nous allons voir l'une de ces rencontres de l'intérieur, parce que cette rencontre m'a été racontée par Rachel de Temer, qui est une pléiadienne du système stellaire Tegeth dans M45, la constellation du Taureau et la main des Pléiades. C'est elle qui me l'a racontée en personne et c'est elle qui a rencontré le président Eisenhower en personne. Et Zen était là aussi, lui n'est pas descendu sur la piste la plus éloignée de l'aéroport d'une base militaire, mais il est resté dans le vaisseau et il a pu aussi me raconter ce qui s'est passé. Voici les 2 dates où 2 rencontres se sont produites. La première, c'était le 18 février et la deuxième pendant la nuit du 20 au 21 février. Du côté terrestre, il y avait le président Dwight Eisenhower, parti républicain, qui fut le 34e président des États-Unis d'Amérique de 1952 à 1969. C'est un général 5 étoiles, c'est-à-dire l'équivalent d'un maréchal de France en France. Et c'est le commandant suprême de l'OTAN depuis 1950. Du côté extraterrestre, il y a la maréchale Rachel de Temer, une pléiadienne originaire du système stellaire Tegeth de la main des Pléiades. Sa planète s'appelle Temer. C'est également une générale 5 étoiles, l'équivalent de maréchal de France ici sur Terre. Et Rachel est aussi commandante suprême
et représentante de la Fédération galactique. Donc, d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté terrestre ou du côté extraterrestre, il y a une équivalence des grades, des statuts et des pouvoirs militaires des deux personnes qui vont se rencontrer. Mais d'un côté, et c'est là où va se passer tout ce qu'on ne veut pas qu'il se produise, un homme américain des années 1950, une puissance militaire, et de l'autre côté, une femme extraterrestre de 189 ans, mais qui en paraît 30, et qui se dit extraterrestre. Donc cette rencontre entre les deux parties va avoir lieu sur la base Edwards de l'armée de l'air, qui est située dans le désert des Mojaves en Californie. Cette base était utilisée pour les atterrissages des navettes spatiales lors de leur première mission. La maréchale Rachel de Temer, et c'est pour ça que je connais ce qui s'est produit, a été mon premier contact nordique, pléiadien, qui a débuté au mois de juin 2016, même si j'avais été contactée par d'autres lignées extraterrestres depuis le mois de mars 2016. Je commence à parler avec elle en juin 2016. Mes relations avec elle se sont étendues sur un an, de juin 2016 à juin 2017. Lors de mes premiers contacts avec cette race, elle était accompagnée de deux jeunes filles qu'elle supervisait et dont elle était le mentor. Les deux jeunes filles extraterrestres, qui s'appelaient Svarupa Priyananda et Aneka, étaient deux jeunes filles extraterrestres qui étaient en apprentissage de 16-17 ans, et elles ne savaient absolument pas comment communiquer avec les terriens, et donc j'étais leur premier contact terrestre, donc à partir du mois de juin 2016. Rachel est de type humanoïde, l'une des deux femmes les plus hautes gradées de la flotte Tégétane, l'autre étant la maréchale Asket de Temer, qui était la petite amie de Zen et également l'un de mes contacts. Et chacune est capitaine d'un vaisseau d'attaque, grade correspondant à celui d'un maréchal de l'armée française. Elles sont puissantes, très armées et déterminées. La maréchale Rachel est aussi membre et ambassadrice de la Fédération galactique, et Rachel est aussi le porte-parole de toutes les races qui en faisaient partie. Donc, dans le contexte extraterrestre, c'est une personne très connue, puissante, très importante et respectée, au même titre que le président Eisenhower qu'elle va rencontrer. Donc, âgée de 186 ans, avec une espérance de vie de plus ou moins 900 ans, mais comme de nombreux extraterrestres, elle n'en paraît que 30 ou 35. Elle est très jolie, assez grande, le teint un peu hâlé, son uniforme fait d'un textile nanotechnologique. Écoutez bien, je ne peux pas croire qu'elle se soit présentée comme ça, mais donc avec un uniforme fait d'un textile nanotechnologique très près de la peau, la fait paraître au regard terrien du président quelque peu sexy. Le président Eisenhower, né en 1890, est âgé de 64 ans, de son point de vue au moment donc de ses rencontres. Il va rencontrer la représentante d'une délégation de la Fédération, une femme prétendant venir d'une autre planète. Et dans le contexte de la guerre froide qui s'est installée des années 1945 jusqu'à la chute des régimes communistes en Europe en 1989, elle représente une menace à la sécurité des États-Unis, qui est, comme la Fédération lui a souligné, à prendre très au sérieux. Et ces différences, hommes-femmes, jeunes-âgés, non prises en compte des grades militaires, des idées préconçues d'un côté comme de l'autre, la suspicion dans le contexte de fortes tensions géopolitiques et où de plus, les femmes n'ont aucune place en politique à cette époque-là, dans les années 50, comme vous allez le découvrir, va représenter une difficulté majeure dans le déroulement et l'aboutissement de ces rencontres. Donc, une première prise de contact avec le gouvernement américain avait déjà été établie en 1947
par le Haut Conseil de la Fédération Galactique en piratant la sécurité du Patagone et leur radio. Et ils leur ont fait passer un message. Le Haut Conseil voulait faire comprendre au gouvernement américain qu'il était plus puissant que lui et qu'il possédait des technologies capables de créer une brèche dans l'un des bâtiments les plus sécurisés au monde. Les USA étaient le pays cible parce que les Américains étaient à la pointe du développement nucléaire et la Fédération était déjà au courant de la présence de scientifiques allemands au sein du projet Paperclip. C'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, tous les scientifiques allemands ont été accueillis aux USA et qui, par la suite, ont commencé à occuper des postes les plus importants, dont celui, par exemple, de Wernher von Braun à la tête de la NASA. La maréchale Rachel fut désignée par le Haut Conseil de la Fédération pour être le premier contact du président Eisenhower. C'est difficile de nos jours de trouver des extraterrestres qui parlent anglais. Un homme de préférence. Mais à l'époque, c'était presque impossible. La maréchale Rachel avait appris l'anglais qu'elle maîtrisait parfaitement. De plus, son expérience militaire dans le contexte de la Terre et son calme étaient précieux pour entamer des pourparlers ou, au contraire, réagir rapidement en cas d'attaque. La difficulté était qu'elle était de la gente féminine. Serait-elle prise suffisamment au sérieux par un puissant homme terrien? La base Edwards, dans le désert des Mojaves, non loin de Los Angeles, avait été choisie car elle offre des pistes d'atterrissage très larges. La maréchale la connaissait parce qu'ils avaient fait des repérages lors d'une première visite en 1952. Le président Eisenhower a donc accepté de les rencontrer. Et la date fut fixée au 18 février 1954, c'était un jeudi. Donc lorsqu'ils sont arrivés, le vaisseau de la maréchale était au bout de la piste la plus éloignée sur cette base. Pour l'instant, il était en mode furtif, non visible, à environ 100 mètres d'altitude, et tous les membres d'équipage présents surveillaient le déroulement des opérations. Le président Eisenhower est arrivé dans un avion bimoteur Lockheed Electra. Il n'était pas seul dans l'avion et il était accompagné par plusieurs personnes, dont un membre de la CIA. Au sol, il y avait une seule Jeep en vue avec des soldats armés. La maréchale Rachel demanda donc au président Eisenhower par radio de bien vouloir éloigner les soldats et de déconnecter les radars, ce qu'il fit. Le vaisseau de la Fédération descendit lentement pour que le président Eisenhower et les soldats le voient de leurs propres yeux et qu'ils réalisent que ce n'était pas le type d'engin qu'ils avaient l'habitude de voir, ce qui donnait de la crédibilité à leur statut d'extraterrestre. C'était un vaisseau traditionnel extraterrestre, une soucoupe volante ronde de 22 mètres de diamètre qui se posa sur trois pieds. La rampe fut descendue. De son côté, l'escalier de l'avion présidentiel fit de même. Le président Eisenhower descendit le premier, vêtu de son traditionnel uniforme de couleur sable, portant son chapeau militaire et ses emblèmes. Ce n'était pas visible, mais les senseurs extraterrestres dans le vaisseau de Zen détectèrent que sous son uniforme, il était armé. Un membre d'équipage, accompagnant la maréchale Rachel, s'arrêta sur la rampe d'accès du vaisseau pour observer la scène de loin, prêt à intervenir si nécessaire. La maréchale descendit à son tour du vaisseau spatial, vêtue de son traditionnel uniforme, une pièce en matériel nanotechnologique gris bleuté qui épousait les formes de son corps et elle n'avait pas d'armes. Ils se dirigèrent l'un vers l'autre et s'arrêtèrent à 2 mètres de distance, se faisant face. La maréchale se présenta en tant qu'amiral, membre du Haut Conseil de la Fédération Galactique. Il la dévisageait, dubitatif, comme un homme le fait
lorsqu'il observe une femme intrigante qui était peut-être une espionne russe et pleinement dans son rôle de chef d'État, il dit avec force: Arrêtez vos conneries, qu'est-ce que vous voulez? La maréchale Rachel lui proposa d'aider les USA à se développer spirituellement, implémenter un nouveau type de société, mettre en place l'énergie libre. Elle proposa de donner des plans de réacteurs sans combustion et de nouveaux types de transmission électrique. Ce que la Fédération galactique voulait en échange, comme l'avaient dit les Andromédiens, c'était le désarmement nucléaire total des USA ainsi que le démantèlement et la destruction de tous les systèmes d'armement. Il continua de l'observer pendant qu'elle soulignait « si elle lui donnait des technologies extraterrestres, les terriens finiraient par les utiliser à des fins destructrices ». La Fédération était prête à lui donner ses développements scientifiques en échange du désarmement. Elle ajouta sans détour que les terriens étaient sur la voie de l'autodestruction et qu'il fallait qu'ils arrêtent les guerres, la pollution, le saccage des richesses et des ressources naturelles et qu'ils apprennent à vivre ensemble de manière pacifique. Elle précisa que l'ionisation de l'énergie nucléaire ne ferait qu'apporter des problèmes à l'humanité et qu'il y avait de meilleures solutions énergétiques. Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Le président Eisenhower rétorqua sèchement qu'il ne pouvait s'y engager parce que les Russes auraient la main contre les USA. La maréchale insista en disant que les Russes, eux aussi, devraient procéder au désarmement et à l'abandon de toutes leurs armes. Le président Eisenhower accueillit ces propos avec une extrême méfiance, en particulier la condition majeure du désarmement nucléaire. Il croyait qu'en acceptant ces conditions, elle laisserait les USA impuissants face à des menaces russes ou extraterrestres. Il continua sur sa lancée en disant, mécontent, que sa rencontre avec elle faisait partie d'un complot communiste qui tentait de désarmer les USA et sans attendre, d'une voix forte, il mit fin à l'entretien. Il fit un namasté en se penchant légèrement, tourna les talons et reprit l'avion. La maréchale Rachel remonta à bord du vaisseau de la Fédération galactique et tout le monde se sépara, fin de la première rencontre. Passons à la deuxième rencontre qui eut lieu 2 jours et demi plus tard. Dès que la maréchale Rachel revint à bord de son vaisseau, son équipage et les membres de la Fédération galactique qui l'accompagnaient firent un débriefing. Ils décidèrent de recontacter immédiatement le président Eisenhower en lui disant qu'il fallait qu'il y réfléchisse à deux fois, en prétendant, même si c'était inexact et qu'ils utilisaient cet argument comme moyen de pression, qu'ils avaient ensuite rendez-vous avec le Kremlin. Donc, nouvelle menace à laquelle le président Eisenhower répondit en acceptant de les rencontrer une seconde fois dans la nuit du samedi au dimanche 20 et 21 février 1954. Cette seconde rencontre se déroula comme la précédente sur la même base d'Edwards. Cette fois, il y avait beaucoup plus de monde et de personnel militaire, aussi bien dans les bâtiments que dans les radars et dans les jeeps. Personne n'était armé, ou tout au moins, il n'y avait aucune arme pointée sur eux. Le président Eisenhower sortit beaucoup plus rapidement et la maréchale Rachel répéta ce qu'elle avait déjà dit en spécifiant que malheureusement, la Fédération galactique ne pouvait pas lui proposer autre chose par respect de la directive première et des lois qui régissent les relations entre les terriens et les extraterrestres. Le président Eisenhower s'emporta en disant qu'elle n'était pas une extraterrestre et l'accusa d'être une nazie, de faire partie de la société Vril, qu'elle et ses compagnons se cachaient en Antarctique et qu'ils avaient été repérés par les services du renseignement de la CIA qu'il avait presque reconnu sur des photos datant des années 1930 et 1940. Ce à quoi le président Eisenhower faisait allusion, c'était Maria Orsic, qui fait partie de la même lignée extraterrestre, qui était une véritable pléiadienne, prêtresse de la société Vril, qui prophétisa le crash d'un ovni à Fribourg, et ce crash eut réellement lieu en 1936.
Dans ce crash, il y eut un survivant à bord du vaisseau et le Führer aurait déclaré, après l'avoir rencontré en personne, J'ai vu le surhomme et j'ai tremblé devant lui. Grâce à cet événement, la technologie militaire et scientifique allemande connaîtra un développement extraordinaire. Et Maria Orsic est à l'origine de la mise au point du premier ovni nazi. Donc, pour en revenir au président Eisenhower, qui est en train de s'énerver, que sans laisser le temps à Rachel de répondre, il fit demi-tour, remonta à bord de son avion et disparut. Et la rencontre se terminait une nouvelle fois par un fiasco. Pour un observateur extérieur, non informé, la situation semblait très ambiguë. Imaginez la scène. Le grand président des États-Unis, qui pour faire face à une menace à la sécurité des États-Unis et qui ne savait pas à l'avance qu'il allait rencontrer une jolie jeune femme, même si c'était une maréchale haute gradée de 186 ans, mais qui en paraissait 30, ce président avait organisé des vacances en famille dans la région, secrètement, et avait dit à la presse qui le suivait qu'il s'était rendu chez son dentiste. Si cette rencontre était divulguée, les journaux auraient fait la une de ce scandale, disant que le président avait menti, qu'il avait trompé sa femme et de surcroît avait emmené sa famille pour couvrir ses méfaits. La maréchale Rachel ne l'a pas vu lors de plusieurs autres tentatives de pourparlers qui ont eu lieu, les Pléiadiens en 1957 et 1960 et les Humites entre 53 et 62, et qui se sont toutes révélées aussi brèves et infructueuses. Question de Guylaine. L'arrêté qui a pris fin en août 2021 concernant l'accord du désert, où il y avait l'obligation de ne pas révéler l'existence des extraterrestres et ni de présenter des photos, est-ce qu'actuellement on peut prendre des photos? Est-ce qu'on peut parler facilement des extraterrestres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Ça a été un vrai miracle que je puisse m'entretenir en audio directement avec Zen. Il n'y a pas grand-chose de changé à ce niveau-là, à part que ils ont allégé quand même le niveau de furtivité, c'est-à-dire qu'ils se rendent visibles maintenant. On voit de plus en plus de vaisseaux spatiaux extraterrestres et dans les news et un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est presque devenu quelque chose de normal. Donc il y a 8 ans de cela, c'était complètement fermé. Même dans mes propres contacts directs, tout était hautement sécurisé. C'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que déjà en direct comme ça, hein, c'est en direct à la fois en écrit, c'est-à-dire quand j'écris, Zen me répondait tout de suite ou mes autres contacts me répondaient tout de suite. Et avec Zen, c'était en audio, c'est-à-dire qu'il me parlait, je l'entendais et puis il m'entendait aussi. Donc ça, c'était assez exceptionnel, je crois. Mais à part cela, il n'y a pas eu d'amélioration à ce niveau. On est loin encore des échanges totalement ouverts. Question de Anya Michel. Quelle est la taille de la maréchale Rachel entre la lente descente de son vaisseau spatial et sa taille? Il n'y avait pas assez de doutes pour le président américain sur le fait qu'il ne s'agisse pas des Russes ou des nazis ou les Américains. Soupçonnait-il que ces autres pays possédaient déjà une technologie extraterrestre? Dans l'esprit américain, c'était les temps forts du communisme et de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait toujours cette confrontation entre l'URSS à l'époque et puis les USA. Elle n'est pas aussi grande que ça, elle doit faire dans les 1,60 m, 1,70 m. Il y a même des pléiadiennes qui font 1,50 m. Svarou, par exemple, fait 1,50 m. Aneka, elle, par contre, est beaucoup plus grande, elle fait 1,80 m. Zen fait 1,92 m. Si c'était un homme, il aurait été plus grand et là, il aurait été pris un peu plus au sérieux, d'autant que les pléiadiens de Tejet sont extrêmement musclés. Mais il ressemble beaucoup à des terriens. C'est pour ça que le président Eisenhower ne l'a pas cru sur le coup. Grégoire. Quelle a été la nature du traité conclu en 1936 entre les nazis et l'Empire d'Orient?
il y a eu don de technologies extraterrestres, l'Empire d'Orion a-t-il aidé directement les nazis dans leur conquête militaire? La première cloche nazie a été l'Anebo, mais ils ont essayé aussi d'atteindre le système d'Aldébaran, où il y a une colonie pléiadienne. La contrepartie, c'est la prise de pouvoir et de contrôle d'une partie géologique terrestre. À partir de là, tous les scientifiques nazis sont partis aux USA. La guerre a été perdue, mais les nazis l'ont gagnée. Tous les scientifiques nazis, 1000 d'entre eux, ont été installés aux USA. Ils ont tous depuis des positions de très haut niveau. Pourquoi vous avez dit que Maria Orsic de la société Vril était de la même lignée que Svarou? Oui, pléiadienne. Elle aidait donc consciemment les nazis dans leur développement compte tenu de leurs actions néfastes. Quelles raisons l'ont motivée? Ils ont aidé Maria Orsic, et donc Maria Orsic a aidé le gouvernement allemand à cette époque, mais ça n'était pas dans le but d'amener les Allemands et les nazis en particulier à faire ce qu'ils ont fait. C'était surtout pour développer la communication avec des terriens, entre terriens et extraterrestres, et puis aider les gouvernements, la planète Terre, à se libérer de cette emprise draco-reptilienne. Je prends les deux dernières questions à l'écrit de Anya Michel. Existe-t-il un traité beaucoup plus ancien entre les draco-reptiliens et l'état profond? Est-ce que c'est expiré? C'est-à-dire que les premiers traités ont eu lieu vers 1936, c'est ça, oui, ils sont terminés, mais ils ont été remplacés par d'autres. Il y en a encore un qui dure 120 ans, et la fin de ce traité, c'est 2075. C'est pour ça que le nouvel ordre mondial va se mettre en place, est déjà en train de se mettre en place, et sera actif à partir des années 2030. Commentaire et question de Alain. Il y aurait un groupe appelé MJ-12. Ils auraient été au-dessus du président Eisenhower, créé en 1947. Avons-nous des informations sur ce sujet? Le MJ-12 était partout sur les réseaux sociaux et donnait à qui voulait le savoir et l'entendre tous les documents qu'ils avaient, énormément de documents qu'ils avaient. Est-ce qu'ils étaient au-dessus de Eisenhower? Probablement en partie. MJ-12, ça fait partie de la CIA. Tous les présidents de la République sont mis au courant lorsqu'un nouveau président arrive et commence son mandat de l'existence des extraterrestres, que ce soit en France ou ailleurs. Les Galactiques 2024, il faut que vous alliez sur ma chaîne, la page principale, vous cliquez sur « Playlist » et vous recherchez la playlist intitulée « Galactiques 2024 ». Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Nous nous reverrons dimanche prochain, au même endroit, à la même heure, pour une autre thématique, la Fédération Galactique et cette structure extraterrestre dans ses relations avec les terriens et les terriennes. Voilà, merci beaucoup. À dimanche prochain. Merci, au revoir.